habituellement au clavecin, mais qui, cette fois-ci, se produit au piano. Bach, au piano, pourra surprendre, mais c'est néanmoins avec un souci de respect des conventions baroques que Nadia Labrie affirme nous offrir les trois sonates et la partita du grand maître entre tous, gravées sur ce CD, également paru sous étiquette Anaretta. Nous écouterons aujourd'hui la sonate en si mineur que Bach aurait terminée en 1736. Et dans cette sonate, la partition pour clavier ne cantonne pas celui-ci dans un simple rôle d'accompagnement, mais lui accorde plutôt un rôle de véritable interlocuteur, donnant donc lieu à un franc dialogue entre la flûte et, dans ce cas-ci, le piano. À ce dialogue animé s'ajoute bien sûr la voix du violoncelle.